Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Idealo et qui vous permettra en fait de comparer plusieurs produits, donc comparer les prix de plusieurs produits et ce qui vous permettra en fait d'acheter des produits donc sur les sites les moins chers possibles. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre comment fonctionne ce site et bien comprendre comment fonctionnent en fait les différences de prix, les comparaisons de prix. Donc ce site, donc c'est une application qui s'appelle Idealo. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai juste ici. Donc moi je l'ai téléchargée, elle se trouve tout en haut à gauche. C'est une application qui est 100% gratuite et qui vous permettra de trouver les prix de produits, donc les meilleurs prix de vos produits préférés. On va sur l'application. Donc voilà, donc vous avez plusieurs étapes qui vont vous expliquer. Ensuite, on va créer un compte sur Idealo. Donc moi, je vais créer un compte sans Facebook ou autre, mais vous pouvez créer un compte avec Facebook, soit Apple et aussi Google. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi, je vais créer mon compte. Je suis tuto Benjor at gmail.com. Donc vous mettez une adresse valable. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut faire un mot de passe. Donc le mot de passe, je vous conseille un mot de passe long, donc plus de 8 caractères avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des minuscules, des minuscules, des minuscules, des majuscules, pardon, des caractères spéciaux. Donc vraiment, voilà, un mot de passe long, hein, ça peut être une phrase ou autre. Vraiment. Donc je vous conseille un mot de passe long. Moi, je vais mettre un petit mot de passe parce que voilà, bon, bah, mon mot de passe. Il est assez long, je s'en pense. Une fois que c'est fait, vous devez cliquer sur accepter les conditions d'utilisation. Donc ces petits curseurs juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez créer un compte, comme ceci. On attend que ça charge. Il faudra confirmer. Donc moi je vais faire plus tard. Confirmer votre adresse mail. Vous mettez OK. Donc moi je vais la confirmer plus tard. Donc ensuite, vous pouvez voir que sur Idealo, donc on a plusieurs informations. Hein. Donc on a des smartphones, des consoles. Donc ça peut être PS. PS4, PS5, Xbox, etc. Donc vous avez même des baskets, des chaussures, enfin vous avez tout et tout. Par exemple, on va voir pour les tablettes tactiles, voilà. Vous regardez, par exemple, vous voulez un iPad Air, voilà. Vous pouvez voir. Et là, vous pouvez voir les différences en fait sur les différents prix. Donc on a le meilleur prix, c'est à la Fnac.com. Ensuite, on a donc sur Rue du Commerce, vous pouvez voir les prix. Donc on est le meilleur prix, c'est 531 euros. Voilà, donc on est là, vous pouvez choisir en fait donc les catégories, donc c'est-à-dire la catégorie, c'est-à-dire là vous êtes sur un iPad Air, vous pouvez choisir la taille, donc les types de gigas que vous voulez, si vous voulez la Wi-Fi ou autre. Donc vraiment vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Enfin, par exemple, vous regardez, voilà, vous pouvez avoir tous les modèles, ce que je veux vous dire. Vous avez par exemple 18 offres, vous pouvez voir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir une évolution du prix. C'est-à-dire vous pouvez voir si le prix baisse. Donc par exemple, le prix baisse, vous pourrez attendre pour qu'il baisse encore plus. Si le prix monte, vous pourrez attendre qu'il essaye de baisser. Donc c'est vraiment en fait comme entre guillemets de la bourse. Vous pouvez vérifier la tendance et le cours du prix de votre produit. Mais vous pourrez toujours voir en fait les meilleurs prix et autres. Vous avez la catégorie fiche produit, donc vraiment avec les explications et tout, hein, ce que c'est, pardon, la taille de l'écran. Tout, en fait, la résolution, le type d'écran que c'est, la quantité, la luminosité, les processeurs, etc. Et par exemple, si on veut l'acheter sur la Fnac, et ben on va cliquer sur voir l'offre et on va arriver directement sur le site, pardon, de Fnac.com et vous pourrez en fait payer sur le site. Voilà. Et vous avez vraiment tout sur en fait tout, c'est-à-dire toutes les marques, hein. Par exemple, vous pouvez voir, imaginons. Pour des chaussures, on a vu des baskets, voilà. On clique sur basket, on attend que ça charge, et là vous pouvez voir plusieurs types de baskets qu'on a. Donc ce soit des Converse, etc. Par exemple les Converse Runstar, elles sont sympas, on va cliquer dessus, et on va pouvoir voir en fait que les meilleures offres, c'est sur le site, donc Keys, bon, je connais pas, voilà, donc vous pouvez voir qu'il n'y a que sur ce site, on peut comparer sur 27 offres. Voilà, on a Snipes, etc. Donc vraiment, on a plein, 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 plein de sites en fait qui vont permettre de comparer et d'avoir les meilleurs prix. Vous pouvez activer en fait les notifications, c'est-à-dire de prix souhaité. C'est-à-dire c'est une sorte d'alarme. Et en fait, vous pouvez en fait, par exemple, vous pouvez voir que le prix actuel est de 109 euros. Et vous pouvez mettre une alarme pour si le prix baisse ou monte. Donc moi, je vous conseille vraiment de prix quand il baisse. Donc, choisir, donc voilà, on peut pas dépasser les 109,
Voilà, si vous voulez par exemple que la chaussure soit à 100 euros, vous voulez qu'on vous informe quand elle soit à 100 euros. On va cliquer donc sur le curseur 100 euros. Voilà, donc on peut voir qu'on économise 10 euros. On peut indiquer qu'on veut que la livraison soit incluse. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir si vous souhaitez que on vous informe du prix avec ou sans livraison. Ensuite, on peut être informé que par email, donc voilà, ou par notification, bien évidemment. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être informé par email. Vous cliquez sur sauvegarder et c'est bon. Donc soit sauvegarder là ou là. Voilà. Donc moi, je ne souhaite pas sauvegarder, c'est tout. Vous pouvez aussi l'ajouter dans vos favoris, etc. Donc ça, c'est les favoris. Voilà. Activer, on active. Donc vous aurez votre sélection. Donc vous pouvez voir que j'ai la sélection ici. Là, on a la recherche des produits, c'est-à-dire avec tout le catalogue complet, hein, bien évidemment comme un site, voilà, et ça, c'est notre espace personnel. Mais voilà, vous pouvez vraiment avoir les meilleurs prix et autres. Par exemple, on veut la PlayStation 5, vous pouvez voir que les meilleurs prix sont sur Tekin, voilà. Après, voilà, on peut voir par exemple sur Rakuten, hein, on a bien évidemment des avis, là, 800 euros ou autre, vous lisez vraiment les avis. Et vraiment tout parce qu'en fait des fois enfin les sites ça peut être des sites de commerce bah, pas très pas qui sont fiables mais il y en a beaucoup où ça peut être des arnaques mais sinon c'est un site 100% en fait ça vous promet des sites 100% certifiés comme vous pouvez voir il y a des sites officiels Snipes Fnac Apple etc donc vraiment c'est vraiment à vous de voir les meilleurs sites les meilleures offres que possible et ensuite bien évidemment vous pouvez attendre d'avoir des meilleures offres etc. Ensuite, un autre truc qui est très très bien, voilà, je vous ai mis, c'est le scanner, scanner un code barre. En gros, c'est-à-dire vous baladez dans un magasin, par exemple, je ne citerai pas de magasin, là, Fnac, Apple, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez votre téléphone, vous scannez le petit code barre de la, par exemple, de AirPod et vous verrez les meilleurs prix sur les sites et ça vous évitera en fait de les payer plus cher sur Apple. Mais voilà comment faire pour pouvoir en fait payer des articles beaucoup moins chers. Voilà, donc c'est vraiment une astuce super intéressante pour des étudiants. Hein. Bah, par exemple, vous voulez des ordinateurs. Voilà, vous mettez par exemple un Mac, MacBook. Voilà, je vous ai dit par exemple MacBook Air. Voilà. Hop. Et vous pouvez voir toutes les meilleures, en fait, les meilleurs sites, les meilleures offres. Voilà. On peut sélectionner bien évidemment les variantes, c'est-à-dire vos préférences. À partir, voilà. Donc lesquels vous souhaitez. On peut filtrer aussi bien évidemment. Retour gratuit, livraison très rapide. Mais vous avez vraiment en fait tout les meilleurs prix que possible. Voilà, donc c'est dans l'ordre du meilleur prix au prix le plus haut. Mais voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de sites. Voilà, vous pouvez inclure la livraison. C'est-à-dire vous pouvez choisir que dans le prix, il y a les livraisons incluses. Donc voilà, donc là, ça réduit bien évidemment le champ. Des sites parce que tous n'offrent pas la livraison. Mais après, par exemple, si vous avez un compte à la Fnac, vous pouvez aller sur la Fnac directement grâce à cette application avec l'offre et après vous pouvez bénéficier de vos avantages de client Fnac. Mais voilà comment on peut avoir en fait les meilleurs prix pour des produits. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Voilà, j'essaye toujours de trouver des sites utiles pour les étudiants, surtout en ce moment où c'est compliqué. Voilà, des sites qui vous permettront de payer des produits pour les cours ou autres pour vous faire plaisir beaucoup moins cher. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous va. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, vraiment. Hein, je vous le dis, ça nous aide beaucoup. Voilà, partagez aussi cette vidéo avec des amis, de la famille ou autres qui désirent avoir par exemple des appareils beaucoup moins chers, comparer des prix par exemple pour la rentrée, les vacances, des anniversaires ou autres. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez surtout pas à liker. Voilà, c'était Benjor, à bientôt.